Pas de bruit, c'était une de gomme. Allez, il n'y a pas tout le monde, bonjour, bienvenue, merci de faire un tour sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai énormément d'infos à vous donner, mais pour l'heure, on va commencer par le sujet, le contenu de la vidéo. Vous avez pu voir au titre ainsi qu'à la miniature, ça concerne la E36. Mais on en parle en fin de vidéo parce que j'ai une annonce très importante à vous faire. Le shop est en promotion, vous bénéficiez de moins 15% sur le cumul de votre commande ainsi que la livraison offerte, les fameux FDP, donc profitez-en. Petit remerciement également aux participants des clips que vous allez voir en E36. Je pense à Ganja, Yo-Yo, Voltius, Gribouille, j'en oublie peut-être, vous m'en excuserez. Pour l'heure, je vais vous laisser avec votre vidéo, mais on se retrouve juste après pour le réglage et j'ai plein de demandes à vous faire concernant les astuces de mise à jour. Voilà, donc on se retrouve sur, non pas le, mais les réglages, parce qu'en premier, vous avez le swap avec le LS7 BRZ, et tout à l'heure, on aura la full prépa, donc sans le swap. Voilà, c'est des bonnes bases, j'ai fait ça avec Yo. La première question que j'ai à vous poser, les gars, c'est est-ce que vous souhaitez qu'on fasse deux vidéos? La première pour le triangle des PP, vous le savez, vous ne pouvez plus rejoindre les lobbies par rapport au triangle, mais ce n'est qu'une impression, car vous pouvez retrouver vos PP en bidouillant quelques petites choses. Je vous donne l'info rapidement là à la volée, en jouant sur l'appui aérodynamique. Si vous ne pouvez pas mettre un peu de ballast avec du positionnement de ballast par là, devant, derrière, peu importe. Vous pouvez également enlever l'anti-lag. Si le véhicule est équipé d'un anti-lag, enlevez-le ou mettez-le en faible, vous retrouverez vos PP. Donc certes, vous perdez un petit peu de puissance et d'efficacité, mais au moins vous pouvez rejoindre le lobby avec la voiture de votre choix. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo dédiée et également
une nouvelle vidéo de base. Vous le savez, il y a une vidéo sur la chaîne qui porte le nom de comment régler sa voiture en 5 minutes. Je crois qu'elle a dépassé les 20 000 vues ou quelque chose comme ça. Donc, elle vous avait plu. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse une nouvelle vidéo? Parce que depuis, il y a de nouvelles bases. Parce que la mise à jour, vous le savez, avec la nouvelle physique, ça a changé un petit peu le comportement des voitures en drift. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. Il est fait pour ça. Pensez à la boutique, elle est en promo. Et ceux qui ne sont pas abonnés ou ceux qui ont oublié de mettre le joli pouce, je vous invite à le faire. Prenez soin de vous. Big up, c'était Anto. T'oubliez un petit détail, c'est une information à vous donner, c'est que je change de logiciel de montage, je change de PC, je change un petit peu, voilà, j'essaie de revenir doucement avec du matériel différent. Et petite info également, la E36 non swap, je vous la conseille sur la pluie. Allez, big up, c'était Anto.